Alléluia, c'est bon. Oui. C'est comme ça, vous allez le chanter. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, ce chant, il est tellement puissant dans ses paroles. Oui. Vous proclamez, vous savez, quand vous chantez des chants comme ça, les démons, ils tremblent. Ah oui. Parce que vous êtes dans ce que dit la Bible. Vous n'êtes pas en dehors, mais vous êtes dans ce que dit la Bible. Oui, mais le Dieu auquel tu crois, c'est un Dieu admis. Le Dieu auquel tu crois, est-ce que c'est vraiment le Dieu qui a créé les cieux de la terre et qui est le Père de Jésus-Christ? Vous voyez? Et moi, quand je témoigne, je préfère dire, moi je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour les gens quand ils entendent ça. Parce que comme je vous dis, quand vous prononcez ces paroles, vous posez un fondement. Ce fondement, c'est Jésus. Et de qui ont peur les démons? C'est quand vous dites « je crois dans le Dieu créateur », non, ça ne bougera pas beaucoup. Mais quand vous commencez, d'ailleurs, si vous étiez là, ça me dit ça, vous avez vu cette femme. Quand je priais pour elle, quand on a prié pour elle dimanche matin au culte, on priait quoi? Au nom de Dieu, le Dieu de quel Dieu? Et quand on prononce le nom de Jésus, les démons tremblent. Mais pas n'importe quel Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus d'Yeshua, le Fils. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Ces points-là, retenez-les bien. Et quand vous témoignez, ne soyez pas vagues. Témoignez de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Pour le démarrage de la vie, c'est pourquoi de bons points qui viennent à passer. Je bénis le Seigneur pour cette femme qui était là. Ni la reine. Amen. C'est ni la reine qui s'appelle, non? Ni la reine. Ni la reine. Ni la reine qui rêve. C'est ça. Il a donné sa vie au Seigneur qui est revenu, alors qu'on n'a pas eu visiblement une vie facile. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà commencé à œuvrer aussi dans ce que réel et aussi dans les cœurs de ceux qui étaient là. Alors moi je suis chanteur évangéliste. Donc j'ai fait 3 albums et partout où je vais, dans différentes nations, j'utilise le don et les dons que le Seigneur m'a donné. Amen. C'est ça qui est important. Amen. La Bible dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Oui. Quand vous essayez de donner des choses que le Seigneur ne vous a pas donné, ça ne marche pas. Oui. Et ce qui fonctionne toujours, c'est quand tu es, nous serons à le voir,
dans le plan de Dieu pour notre vie. Et quand on dit qu'on est ceux qui marchent, c'est quand on est dans le plan de Dieu pour notre vie, c'est, ça va aussi dans le sens des dons qu'il nous a donnés. Il y a des gens, parfois, ils essaient de donner, de faire des choses par rapport à des dons qu'ils n'ont pas reçus. On voit que ça ne marche pas. Mais quand tu exerces le don que le Seigneur t'a donné, tu vas bénir les gens. Amen. Les gens vont être bénis parce que tu es dans les choses que Dieu t'a données. Oui. Pas dans les choses où tu essayes de forcer les choses pour finalement, si toi tu ne le vois pas, mais les gens voient que tu es en train de donner quelque chose que tu n'as pas pris. Donc c'est très important d'être clair avec ça. Donc simplement pour vous dire que moi je suis donc chanteur, évangéliste, et c'est dans ces deux domaines où j'ai toujours fonctionné. Je chante avant de prêcher. Je fais aussi des concerts, je fais des concerts aussi témoignages, j'essaie de m'adapter à ce que je demande. Mais pour moi, c'est important que, si j'en ai l'occasion en tout cas, de pouvoir chanter avant d'intervenir dans chacune de mes Amen. D'ailleurs, vous l'avez vu pour ceux qui étaient déjà là depuis samedi soir. Alors, samedi soir, ceux qui étaient là, qu'est-ce que j'ai chanté comme chant? Est-ce que vous vous rappelez? Il y en avait qui étaient à l'évangélisation de samedi soir ici. Toi, est-ce qu'il y en avait d'autres? Il n'y avait que toi. Donc vous allez découvrir. Ok. Écoute, alors à ce moment-là, on va peut-être mettre le chant que j'ai toujours pas entendu. Là, je chanterai peut-être à la fin si on a le temps. Mais... Et pour moi, quand j'ai travaillé ce thème, vous voyez, j'ai pas mis cette photo pour rien. Pour moi, cette photo-là, elle évoque quelque chose, elle est évocatrice de quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce que fait cet homme? J'ai qu'à vous toucher. Et lui a dit non. Et je suis en train de dire ça parce que j'entends aussi parfois des choses dans les églises qui ne sont pas belles. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui des gens qui font la louange, parfois, ils sont dans la louange, mais... En étant dans la louange, ils ont déjà des fois commis l'adultère avec une jeune fille. Ou ils sont en train de servir dans l'église et ils sont en train de commettre l'adultère et ils croient que personne ne voit. Oui, personne ne voit peut-être pour l'instant, mais Dieu l'a déjà vu. Et il faut que tu fasses attention à ces choses. Tu dois te garder pure, jeune fille et jeune homme. Quand tu veux servir Dieu, tu dois te garder pure. Autrement, tu ne peux pas servir Dieu. Et tu vas attendre longtemps avant de rentrer dans ta destinée. Parce que le péché nous empêche. Écoutez bien, le péché nous empêche de rentrer dans la destinée de Dieu. Il y a des gens qui tournent en rond pendant des années parce qu'ils ne mettent pas en règle leur vie, parce qu'ils vivent dans le péché. Et ils disent, Dieu ne se sert pas de moi, mais comment tu veux que Dieu se serve de toi si tu vis dans le péché? Et le péché n'est une barrière, mais un obstacle à ce que Dieu t'utilise. Très important. Donc, j'ai mis, Dieu nous a créé pour une intention, c'est qu'il domine sur toute la terre. Et parce que la création de chaque être est une réponse à un besoin spécifique, écoutez bien, chaque fois que Dieu crée quelqu'un, ça répond à un besoin spécifique. Moi, je le crois, ça. Tu es créé parce que Dieu t'a créé pour un besoin spécifique dans ce monde. Et toi seul peux quelque part le combler. Chaque enfant de Dieu a une destinée glorieuse dans son cœur au travers de la nouvelle. Et comment? C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Comment tu peux entrer dans la destinée de Dieu? C'est quand tu es né de nouveau. Tu peux impacter les jeunes, les étudiants qui sont avec vous en tant que jeune fille, en tant que jeune homme. Là où vous êtes, vous pouvez amener les valeurs du royaume de Dieu. Et je vous en prie, faites-le. Changez votre nation. Entrez dans les ministères, dans votre nation. Faites des études pour ça. Et soyez des Joseph. Soyez des Daniel. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez changer votre nation avec en entrant dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Seigneur, je te prie, Je te prie vraiment pour toutes ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ces sœurs un peu plus âgées qui étaient là ce soir et qui ont écouté, Seigneur, qui ont écouté ce message. Je prie que ce message puisse le repasser dans leur cœur, Seigneur, et qu'elles puissent vraiment
crient à toi pour que leur vie, Seigneur, prenne une autre direction. Et j'aimerais vous dire ceci pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans des choses que Dieu n'a pas voulu. Peut-être que vous avez pris une direction, des études que Dieu ne veut pas. Soyez à son écoute, est-ce que ça fait vraiment écho à votre cœur? Peut-être que tu n'es pas en paix dans les études que tu fais parce que Dieu n'était pas dedans. Tu as pris la décision avec tes parents sans vraiment consulter le Seigneur. Et peut-être que le Seigneur te dit ce soir, si tu ne t'épanouis pas dans tes études, c'est parce que tu as pris un chemin dans tes études qui n'est pas ma volonté. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà dans le ministère, dans un travail dans l'église, et peut-être que tu n'es pas à la place que Dieu veut. C'est pour ça que tu ne t'épanouis pas. Accepte de changer. Amen. Accepte de dire, je me suis trompé. Pasteur, je veux prendre une. Va voir ton pasteur ou les anciens et dis, je crois que je me suis trompé. Après avoir écouté ce message, je crois que je me suis trompé et je crois que le Seigneur me parle dans ce sens. Et si tu te sens concerné, alors change, remets-toi en question et entre dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Amen. C'est ça qui est important, c'est ça qui fera que ce monde et l'endroit où tu seras, il y aura des changements. Tu impacteras des vies parce que tu seras là où Dieu te veut. Il vaut mieux être là où Dieu nous veut, être dans sa bénédiction, que d'être là où Dieu ne nous veut pas et subir les conséquences. Je prie vraiment que chaque jeune ici, Seigneur, puisse vraiment lever les mains ce soir et dire, « Oh Seigneur, je veux entrer dans ta destinée. » Est-ce qu'on pourrait le faire? Je veux que ma nation change.